Christ. L'évangile de Dieu. Devrait continuer. Devrait continuer. J'ai dit à quelqu'un, aucun homme ne sera placé à l'avant de Dieu. Et aucun homme peut empêcher à son absence que l'évangile de Jésus soit prêché. Que l'évangile de Jésus soit prêché. Paul était en prison. Mais l'évangile de Dieu n'était pas en prison. L'évangile de Dieu était là. Mais ce que j'aime, c'est que l'homme qui était en prison, ce n'était pas n'importe quel homme. Ce n'était pas un prisonnier ordinaire. C'était un homme richesse. Essayons ensemble. Montons ensemble. L'homme qui était en prison, c'était un homme richesse. Cette richesse ne pouvait pas mourir. Ce n'est pas que le verset chez quelqu'un d'autre. J'ai dit à quelqu'un, notre Dieu, ne connaît pas les pertes. Il va préparer aussi un successeur. C'est lui qui va hériter. Paul, l'homme de la parole. Paul, l'homme de l'Iran. Paul, l'homme qui convainc les cœurs. Paul, c'est lui qui fait l'œuvre de Dieu. En prison. Et ce jour-là, Paul est en train d'écrire à Timothée. J'ai dit à quelqu'un, c'est lui qui a une chose. Une chose qui va être transmise cette personne n'a jamais été transmise s'il l'a transmise par au son. C'est lui qui a des choses à donner aux autres. Si longtemps, tant on y en ce qui ne donnera pas ces choses, aux autres, il ne sera pas à l'aise. J'ai dit à quelqu'un, il y a des choses que Dieu a mises en toi. Et dans ma commande, je suis pas donné aux autres. Si longtemps, tant on y en ce qui ne donne pas aux autres, pourquoi tu es encore là? Tant si nous allons voir là, nous allons voir au travail. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Mais Paul ne voulait pas mourir comme ça. Paul n'a pas voulu mourir. Il fallait que Timothée vienne. Et c'est là que Timothée vient. Il fallait que Timothée vienne. Et c'est là que Timothée vient. Quel rapport, s'asseoir à la porte de son or, le bénéfice de la tente, le bénéfice de l'attachement avec cette histoire. Oui, vous pouvez venir voir négocier pour qu'il y a son or, pour que vous allez tomber à causer, vous allez tomber à vos fruits. Nous y entrons. De son côté. Paul est en train d'écrire à son fils qui a foi. Pour la comme la moine à Timothée. Il commence à dire, j'ai combattu les bons combats. J'ai achevé la course. Ah, là je crois que j'ai un testament. On est en train de laisser un testament. Ah, aussi qu'à l'Ibula après un moine. Parce qu'il se sent. Pour que moi je dois aller. Et c'est une mais je ne peux pas partir. Parce que moi, sans laisser la richesse. Comme il a dit l'Ibula, j'ai dit à quelqu'un. Non, mon père est bon. Papa, mon père est riche. Papa, vous laissez. Est-ce qu'on est ensemble? Un père bon. D'accord, madame. Un père riche. D'accord, monsieur. Laisse toujours des choses à ses enfants. D'accord, mais, car la responsabilité, mon combat de celle-là, il ne le donne pas après ça, à tout enfant. D'accord, madame. Tout le monde comprend le tien. Le papa Nyonso. Moi j'ai monté ma malade. A dit qu'il n'a pas d'aller d'héritage. Mais mon combat d'héritage voilà. Après ça va l'aller sauter. Amen. Après ça va l'aller sauter. Amen. C'est sur la Paul. Mon combat Paul. Il devait laisser l'héritage. Il devait laisser l'héritage. Paul devait compter ses fils. Je dois laisser quelque chose. C'est la tique et je dois laisser quelque chose. C'est la tique et c'est que j'ai reçu des dieux. On a vu.